super cadran, quoi. Ah, nous avons une tablette vraiment complète. Et nous pouvons couper la musique, donc avec un bouton, c'est très bien. On sent qu'il y a l'air conditionné qui fonctionne. Ouais. Donc Jean-Pierre nous fait... Combien de vitesses? Nous avons 5 vitesses et une marche arrière. Donc ça veut dire que c'est plutôt une citadine. On ne sait pas mettre de brouette, mais ça va. C'est... Donc voilà, dès qu'on lâche l'embrayage, le moteur se coupe. Ah ouais. Aujourd'hui, test de la nouvelle Clio. Merci au garage Renard qui se situe à Otigny-Louvain-la-Neuve de m'avoir permis de faire cet essai. L'écoulement fonctionne. Alors ici, je pense que nous avons quelque chose pour chauffer un chauffe-siège. Ah pour ouais. Couper la radio automatique du moteur lorsqu'on est à l'arrêt. Ah, ici il y a des méthodes. Ça, je crois que c'est peut-être des modes de conduite différents. Voilà. Alors nous pouvons nous mettre en mode sport. Économie, alors nous avons les quatre feuilles d'étrée. Et donc ça veut dire que les vitesses sont plus courtes alors. Le moteur se réalise plus vite, on va voir. Donc on s'y tient à ton effort. Ah oui, ça tire beaucoup. Ah oui. Oula. Et le bruit du moteur a changé. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt l'effet de reprise. Du moteur qui a changé. Ouais. Ça c'est vraiment étonnant. C'est dingue qu'il arrive à faire ça. Hein. Donc on vit bien en mode économique ou pas. Ah t'es en sport là. Ah ouais. Et voilà. Voilà le test. Alors, donc la clé, c'est quand même assez spécial. Voilà. C'est une clé comme ça.